Yo tout le monde, donc aujourd'hui une nouvelle vidéo, unboxing de mon clavier. Je suis d'abord désolé pour le fond qu'il y a là-bas, là. J'unbox dans ma cuisine, vu que dans ma salle il y a du monde et sinon vous allez entendre les bruits. Désolé pour les miaulements de chat et pour mon chat. Donc c'est un unboxing de clavier, d'un clavier et d'une souris. Donc voilà. Voilà. Donc, et bah, c'est parti, go l'ouvrir. Alors. Déjà, le tissu, on dirait un sac poubelle. Ah, je suis content, les gens, là. Alors, ça, on va l'enlever. Voilà. Ça, c'est enlevé. Désolé, ça c'est moi. Alors, tac. On se retrouve vite fait, faut que je fasse 2-3 trucs. Donc, re les gens, donc c'est bon. Bon, bah c'est parti, go l'ouvrir. Alors, tac. Enfin, go déballer plutôt. Hein. Tac. Tac. Après, je le brancherai sur PC, je vous ferai une autre vidéo. Enfin, je le brancherai sur PC pour vous montrer ce que ça fait. Oh déjà, oh, je sens la boîte. Par contre, ils en ont mis du plastique. Si vous entendez des ouh, je suis désolée, c'est mon chien, il est dehors et il fait des bruits bizarres. Voilà, attendez. Là, vous allez pas voir, mais. Ah bah non, mais ça sert à rien, franchement. Waouh! Alors, voilà. Donc ça, c'est le petit clavier, hein. Donc, tac. Et là, c'est la souris avec le tapis. J'ai pas pris non plus une grosse souris et tout, c'est juste pour les petits débuts. 2400 DPI. Confort et précision. Interface, touche multimédia. Et normalement, il y a le tapis de souris aussi avec. Donc, voilà, regardez. Spirit of Gamer Pro MK6. On verra si les touches ils sont comme ça. Mais normalement, le clavier il s'illumine pas. Ça c'est pas trop grave pour moi, c'est pas trop un problème. Et que voilà, je m'en fous un peu quoi. Et tac. Attendez, faut que je repose mon trépied du coup. Tac. Allez là, allez là. Voilà. Donc, hop. Tac. Ah, je sens la matière. Oh, la petite souris. Donc là, il y a la petite souris. Tac. Wow, regardez la souris. Je pense qu'elle doit s'illuminer là, en fait. Là. Donc là, la touche de DPI. Oh, clic, il est sensible, attendez. Je sais pas agiter, je sais rien faire. Donc là, les petites touches de retour. Le petit truc avec Spirit Gamer et tout. Ah, par contre, c'est pas un câble tressé. C'est un peu grave, mais voilà. Parce que moi, je préfère quand même les câbles tressés. Donc voilà. Et après, je vais vous montrer ce que ça rend illuminé. Un bout de carton. Et le petit clavier. Oui.
Oh, il m'a l'air tellement sensible. Regardez donc. Je pense qu'ils ont surligné, ils ont mis en couleur bleue tout ce qui était plus utilisé dans le jeu et tout. Attendez, là il y a des petits boutons là. C'est pour les vidéos, son et tout. Donc, tac, il m'a l'air très sensible. Ma foi, rien à dire. Voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer donc le petit tapis de souris. Et je vous ferai une game en rush ou en Icabrain. Mais il y a des chances que je perde. Non, en fait, juste vous montrer ce que ça donne illuminé. Parce que pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé comment rec en rush ou en... Enfin, comment rec mon écran, quoi. Oh, excusez-moi les gens. Mon trépied qui fait des caprices. Voilà. Voilà, donc là on a le petit tapis. Donc là on a le petit tapis de souris, donc Spirit of Gamer aussi. Donc on l'ouvre, c'est parti. Attendez, je vais l'ouvrir derrière parce que sinon tout va tomber. Parce que ce papier-là, quand même, il est assez dur. Voilà le petit tapis de souris Spirit of Gamer. Donc attendez, on va regarder si ça glisse parce qu'il y avait des commentaires des fois qui disaient que le tapis glissait. Excusez-moi pour ça. Donc bah, sur ce, les gens, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. On se retrouve tout de suite.